Enregistrement du projet, création du film et erreurs possibles. Donc, dans cette opération, nous allons dans un premier temps enregistrer un projet, c'est-à-dire mémoriser l'ensemble des commandes que vous avez demandé d'opérer à l'ordinateur et au logiciel. Donc, l'enregistrement se fait très simplement, soit par la touche disquette, ici, soit dans ce menu déroulant. Donc ici, bon, on va écraser ce projet. Voilà, projet 4. Ici, nous avons donc un projet qui se constitue sur Movie Maker en 1, 2, 3, 4, 5, 6 séquences, 6 photos, et en autant d'effets de transition. Sur la gauche, je peux visualiser mon projet. Donc cette fenêtre est une fenêtre de visualisation de projet, mais ce n'est surtout pas un film. L'erreur souvent faite, c'est d'essayer ensuite de récupérer le fichier obtenu ici, de l'extraire, de le mettre sur une clé USB et de le promener. Seulement, une fois que ce fichier est enlevé de son emplacement, le logiciel n'arrive plus à retrouver la source de ces images et votre film que vous avez pensé avoir fabriqué est complètement inopérant. Donc, dans un premier temps, pour simplifier, on enregistre un projet, c'est-à-dire un ensemble de commandes, et dans un second temps, on enregistre le film. Et donc là, vous avez ce menu qui nous propose une haute définition pour grand écran ou pour DVD de salon, une lecture sur ordinateur, un peu plus légère, ou d'autres lectures avec des formats plus petits. Donc on va garder la lecture sur ordinateur. On conserve l'emplacement. La barre de défilement nous indique que le logiciel est en train de créer une vidéo et il a besoin de matière et de temps. La vidéo est un format assez lourd. Le film est terminé. Il est bien indiqué comme film et non comme projet. On me propose de le lire. Et cette fois-ci, pour lire un film, on n'ouvre plus Movie Maker. Automatiquement, un logiciel de lecture vidéo se lance. Par défaut, ici, c'est VLC qui a été actionné. Voilà. Donc, très grosse différence entre le projet et le film. La vidéo et le projet. Ne faites pas la confusion, pensez à enregistrer sous deux formats différents et si vous avez quelque chose à déplacer sur un autre ordinateur ou sur une clé USB, il s'agit bien de la vidéo que vous allez déplacer et non pas le projet.